Bah on reprend, ouais. Ah, des courus. Ah non, des araignées. Ah ben j'ai un niveau tellement élevé en discrétion maintenant que j'avance sans même me faire repérer. Je peux avancer en face des mecs. Je ne repère pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, une table d'enchantement. Ah, je croyais qu'il y avait quelque chose en haut. Esprit de Nyarn. Ah, j'ai déjà lu celui-là. Ah, la boule de pierre, j'ai déjà. Ici, là, il y en a un. Hop. Ah oui, comme j'étais repassé à la forge, mes armes font un tout petit peu plus de dégâts. 2 points de plus, je crois. C'est pas énorme, mais sauf que comme il faisait déjà pas mal de dégâts. Et vous laissez le chien tranquille, d'accord? Oh putain, le con. Je te vois. Ah oui, je me rappelle, il y avait plein de vampires ici, c'est vrai. Oui, c'est bon le chien. Améthyste, qu'est-ce que des cailles d'alchimie majeure? Les flèches, je prends pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tas de sang? Rien. Oui, le chien, je sais que t'es là. Le jeune vampire, bon, je vais pas prendre toutes les armures de vampire. Hein. Non, l'autre il est mort derrière. Améthyste, la poussière. Et celui-là. Armure de vampire, c'est bon, j'en ai plein. Hein. Le crochet, le rançon des oreilles, ça j'ai déjà lu. Voilà, la tire, poussière de vampire, allez hop. Ah ouais, ouais, je me rappelle, j'étais déjà venu ici. Bon, je crois même avec Lydia en plus. Ouais, ouais. Je me rappelle. Bon, qu'est-ce que tu veux, le chien? C'est toi, Ville Clavicus, alors. Seigneur Clavicus, j'aurais quelque chose à vous demander. Je vous écoute. C'est le moins que je puisse faire, puisque vous m'avez déjà aidé à exaucer l'ultime volonté de mes derniers disciples. C'était quoi ? Ils étaient atteints de vampirisme et m'ont supplié de les guérir. Votre venue a mis un terme à leur calvaire. Moi-même, je n'aurais pas pu mieux planifier les choses. Alors, quel est votre désir secret? Quel genre de marché allons-nous conclure? Le chien, je me rappelle, il m'avait dit surtout... pas faire de marché avec lui. Ne rien accepter de ce qu'il vous propose. Le pouvoir de broyer quelqu'un qui se tient devant moi. Non, je suis juste ici pour... vous réunir avec Barbas. Oh, ce chiot insupportable! Oubliez ça! Requête refusée! Hors de question! Je suis content d'en être débarrassé. Même si ça veut dire que je suis coincé à ce pitoyable hôtel au milieu de... nulle part. Eh bien, peut-être existe-t-il un moyen pour qu'il retrouve sa place à mes côtés?
Peut-être. Mais je ne promets rien. Quelle est votre offre ? Il existe une hache incroyablement puissante. Suffisamment redoutable pour que je m'amuse avec, oui. Si vous me l'apportez, vous aurez ma bénédiction. Sans condition ni mauvaise surprise. Du moins, pour vous. Si je me souviens bien, elle se trouve dans la tanière de Rimrock. Barbas peut vous y conduire. Ce chien pourrait même retrouver sa place à mes côtés. Bon, la tanière de Rimrock, je connais ça aussi. Retrouver la hache du chagrin avec Barbas. Oh non, mais Barbas, reste là, quoi. Je t'ai pas besoin. Oh putain, faut que je fasse tout le tour et que je revienne ici. Oh, ça va être pénible, ça. C'est par là-bas. Je sais même pas par où je viens, donc... Ok. Hop, c'est là. Oh, oui, c'est là. Bon, j'ai un petit sort là qui va m'aider. Qui s'appelle... Illumination, détection, truc... C'est clairvoyance, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est celui-là. Allez, petit passage dans la grotte d'Aemar. Hop. J'essaie d'aller le plus vite possible. Ah oui, d'accord. Je sais où je suis maintenant. C'est bon. Un peu plus loin. Hop, ici. Oh. Mais je le vois pas. Aucun passage détecté, mais tu te fous de moi. C'est ça. Il est là le passage. Putain, elle est où la sortie de ce labyrinthe là? Tanière de Rimrock, allez. Je croyais y être. Allez, 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 on sort de là. Aucun passage détecté, j'aime bien, tu sais. Bon. On va aller à la tanière de Rimrock de ce pas. La tanière de Rimrock. Je la connais en plus. Carte Simenon, redoute de la falaise. Tanière de l'escroc. Refuge des Raidorins. Je la connais pas, la tanière de Rimrock. Ah, je confonds avec le refuge des Raidorins, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Journal des quêtes. Retrouver ma hache. L'hache de chagrin. On va afficher la carte. Ah, mais si, je la connais, oui. Ça me disait quelque chose, le nom. À côté du chat. Ah oui, elle est toute petite, ça va. Je crois. Oui, il y a juste un magicien. Et un atronach de feu, si je me rappelle bien. Oh! Pousse-toi, Barbas! Alors, je prends la dague, toujours pareil pour essayer d'obtenir des âmes. Tant qu'à être là, autant remplir des gemmes. Hein. Si je peux les remplir, bien sûr. Eh mince, mauvais cri. Oui, c'est ça, ouais. Tu m'as raté. T'es où? Oh, là tu m'as eu. T'es passé où? T'es passé où? Vite, on s'écarte. Je vais pas me faire avoir à chaque fois,
Alors les selles de feu parce que c'est assez rare. Lydia, Lydia, Lydia. Voilà, merci Lydia. Putain! Barba, c'était un idiot. Putain, mais arrête de le pousser, quoi. Putain! Le chien de merde, là. Chaque fois que j'essaye de le frapper, il me le pousse. Mais c'est qui me balance des sorts de froid, là? Eh, mais dis pas que c'est toi, quand même, avec tes bâtons. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, quel est l'âge du... de Clavicus, la fille d'un sorcier du nom de Sébastien Lort, qui vouait un culte à Irsine. Lorsqu'elle se transforma en loup-garou, Sébastien ne put supporter de voir la chair de sa chair prendre une apparence si bestiale. Le sorcier souhaita pouvoir mettre un terme à la malédiction de sa fille. Clavicus lui donna une hache. Bon, ben, c'est bien. Mais elle est où cette hache? L'hache du chagrin, voilà. Quoi, dague d'acier, il n'y a même pas de dague. Tiens, familier. Oh, de l'obscurcine, ça c'est, non? Putain, mais... Oh, fait chier le chien, hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah oui, il y avait un collier. Dominusement, c'est bon. Ça, j'ai les attaques à deux mains. La bourse, je prends. La gemme spirituelle, les bouquins. Un baiser très germain. GGG, GG. Tac, tac, tac. Arrête de me suivre, le chien. Tu m'énerves. Entre feu, je dois l'avoir. Tiens, une tarte aux pommes. Mais putain, mais... Casse-bonbon, le chien, hein. Yep. À la sortie, on va revoir Bill Clavicus. Hop. Oh putain de chien. Alors, Bill Clavicus, il est où? C'était ici. Putain, faut que je retraverse tout. Oh. Connerie ce truc. Allez, c'est reparti pour retraverser les couloirs à fond. Alors d'abord la grotte, après la honte et... Allez, dépêche-toi. Encore courir dans les couloirs. Si c'est pas pratique ça en plus. Et je croyais avoir changé de cri. Ouais, par là on descend, hop, là, raccourci, ici c'est pas en haut, c'est en bas, dans ce sens ça va, j'arrive à peu près à me repérer d'un chemin retour, hop, allez saute, ouais, c'est là-bas, allez, oh putain, ouais, mais c'est pas compliqué quand même. Allez, la Honda est mort. C'est bon, je suis arrivé. Je crois que là c'est direct sur la grande salle. Hein. Tais-toi le chien. Ah non, oui, c'est vrai, il y avait une araignée ici.
Ah. Te voilà. Non, Ville Clavicus. Ah oui. Oh. Ah, vous avez la hache. Et mon chien. Formidable. Bon, nous voilà de retour. À vous de respecter votre part du marché maintenant. Excellent travail. Une légende vivante et son fidèle compagnon récupérant un vieil artefact pour le prince. On se croirait dans un conte de fées. Ah, mais ça semble presque dommage de donner cette arme, n'est-ce pas? Je pense que vous pourriez me persuader de vous la laisser. Non, j'aurais attiré de ça. Mais seulement si vous vous servez de la hache pour tuer Barbas. C'est aussi simple que ça. Oh non, on reprend les deux. Retourner à l'hôtel avec la Vicus, ça va à l'âge du chagrin. J'ai même pas regardé ce qu'elle faisait à l'âge. Montre. Objet. Elle fait quoi ce H? H du chagrin. 20 points de dégâts de vigueur, mais que j'en ai assuré ta H. Tiens. J'ai longuement réfléchi. Et. Hors de question, prenez la H et surtout reprends ton chien. Vous n'êtes pas drôle. J'imagine que je vais devoir trouver autre chose pour m'amuser. Avec le retour de mon chiot. Je vais retrouver mes pleins pouvoirs. Le monde sera à moi. Si tu veux. Bon. Je savais que je pouvais te faire confiance. Oui, oui, le chien retrouve son maître, le maître retrouve sa hache cosmique, et tout le monde est content. Au pied, le chien. Pas d'inquiétude. Je m'assurerai qu'il revienne à la raison. Je t'ai fait confiance, alors à ton tour. Ah, je me sens tellement mieux. On oublie combien la puissance suprême peut être jouissive jusqu'à ce qu'on se retrouve coincé dans une grotte pendant quelques années. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous préférez que je reprenne mon chien? Oh ouais, reprends-le. Dommage. Vous manquez cruellement d'imagination. Un tel manque d'ambition devrait être puni. Peut-être en vous transformant en asticot, ou peut-être quelques décennies à... Oh, parfait. Vous avez ma bénédiction et c'est réglé. J'ai des choses plus intéressantes à faire de toute façon. Bon, qu'est-ce que j'ai? Le masque de Ville Clavicus, d'accord. J'ai obtenu le masque de Ville Clavicus. Et qu'est-ce qui fait ce masque? L'artefact des draps qui me permet les prix plus intéressants, éloquence 10%, régénération de la magie 5% plus rapide. Et je suis sûr qu'avec je ressemble à rien. Et voilà. Avec le masque on ressemble à rien. 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 Donc bien gentil, mais le masque. Non. Je vais garder mon capuchon de la guilde des voleurs. Hein. Bon, ben voilà, un artefact d'Hydric en plus. Alors, j'en étais où? C'est où la sortie déjà? Ah, c'est ici en bas. Allez, on refait demi-tour. On peut passer là, non? Allez. Allez, hop. C'est où la sortie? Ah, c'est là. Na, na, na. Bon, ben voilà, je regagne un masque sans faire grand chose en fait. Bon, je vais vous éviter toute la sortie. On se retrouve à la sortie de ces cavernes. A de suite. Donc voilà. Oh, un type sur un cheval, j'en vois très rarement des mecs qui se baladent à cheval. Je pêche par ici depuis des années. C'est pas mon cheval, hein. Ah non, mais il est comme ça, c'est vrai. Bon, ben voilà. Donc avec ce beau point de vue là sur la lune,
et l'aurore boréale. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ces épisodes. Donc à bientôt pour la suite des aventures de Nojiri dans Skyrim. Ouh là, elle est encore plus jolie là. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que ces épisodes vous plaisent. Et donc à bientôt, en espérant que vous soyez toujours plus nombreux à regarder les vidéos. Allez, bonne soirée.